monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en partenariat avec la boutique Paint Someway. Alors, j'ai été surprise qu'il m'ait contacté. C'est la toute première fois. Je connais cette boutique via les copines youtubeuses qui ont eu des partenariats avec cette boutique. Et il y a un jour, j'ai ouvert ma boîte mail et j'avais un petit mail de leur part, me proposant un petit partenariat, et je me suis dit pourquoi pas. Donc on va tester et on va regarder un petit peu ce que j'ai choisi. Voilà, allez, c'est parti. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a que deux articles. Voilà. Hop. Alors, comme c'est tout nouveau, on va regarder. Donc c'est un emballage comme ça en sachet. Rien de très très fantastique. Donc il y a une toile et il y a un petit accessoire. Voilà. Hop. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on va commencer par ce petit accessoire. Donc c'est un petit tube. Et dans ce petit tube, on a suspense. Non, franchement, c'est bien emballé. Vraiment un tube en plastique comme ça pour pas avoir de casse. C'est cool. Franchement, même les stylets, ils devraient les mettre dans des petits tubes comme ça en plastique parce que bon. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Donc, écoutez. Hop, voilà. Et donc, dans ce petit tube, on a ça qui ressemble à un crayon, et en fait c'est un stylet avec cette tête en cire. Alors eux ils disent que c'est de la cire. Est-ce que je l'ai là? Non, me disent pas cire, c'est de la cire, mais vous savez, pour les diamants spéciaux. Et franchement, alors cette tête là se change normalement, vous voyez, ça se visse et vous pouvez en mettre une autre. Voilà. Donc je le trouvais classe, franchement. Hop, et je referme. Et de l'autre côté, est-ce qu'on en a un? De l'autre côté, on a la version, vous savez, en bout super fin comme ça. Voilà. Donc il y a ce stylet-là existe sous une autre forme, mais je trouvais que c'était vachement classe. Bon, ça fait des grands bouchons, hein, on est d'accord. Des grands bouchons presque aussi grands que le stylet, mais voilà, ça fait plutôt plutôt joli. Et voilà, j'ai pris en noir, et cette tête là sachez que vous pouvez la changer une fois que c'est que ça n'adhère plus le diamant, ça se change. Voilà. Et ça, ce petit stylet sur la boutique de Paint Someway était au prix de, alors c'est en dollars, comme d'habitude je vous mets les prix en euros. Donc c'était 2,99 $. Voilà. Hop. Voilà pour le premier objet que je remballe dans son petit tube. Voilà. Que je vais renlever après. Je sais, c'est ridicule. Mais bon. Et on va découvrir ensemble la toile. Et là, je sens. Je sens qu'il y en a qui vont dire, mais elle est dingue. Encore du noir. je sais, mais même pas peur. Elles sont belles aussi, ces toiles. C'est ce qui fait son charme. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais bon, ça va, c'est les côtés blancs. Donc, c'est encore une grande toile. C'est une 40 par 70, bord inclus. Et regardez-moi cette beauté. Oh la vache. Alors là, du noir, je sais, je vais en manger. Voilà, elle est vraiment belle. Alors, attendez. Hop, je décale ça. Ah, elle est vraiment belle. Bah, puis le noir, franchement, c'est du rond au multiple épaisseur. Mais c'est pour ça que ça me fait pas peur. Sauf s'ils ont décidé de mélanger. Mais non, c'est que du noir. Vous voyez, c'est le même symbole. C'est que du noir, c'est que du noir, c'est que du noir. Mais c'est cool. Je vous montre les symboles, du coup. Hop. On est bien. Regardez-moi cet œil. Oh là, ça vaudrait le coup de mettre du AB ou je sais pas. Cristal. Allez, je vous montre la toile dans son entièreté. Hop, je vous porte. Et regardez-moi cette beauté.
Elle est vraiment belle, hein. Franchement. Cette tête de lion là, avec ses roses rouges, elle est très belle, hein. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est ce qui fait la beauté de la toile sur fond noir. Donc j'ai pas pu résister. Voilà, même pas peur. Même pas peur. Donc elle a 23 couleurs. Ils nous mettent deux petits toolkits basiques. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de sachet zip parce que je découvre que tout est en sachet zip. Et pas de surprise. Bon, c'est des couleurs très automnales. Hein. C'est marrant parce que je suis même pas sûre que ce soit du noir. Alors, le W, c'est quoi? C'est sur fond. Ah si, 310. Bon, ben voilà. Donc, du diamant rond. Après, voilà, c'est parce que c'est du diamant rond. Donc, c'est pour ça que ça me fait pas peur, hein, franchement. Carré, j'aurais pas pris. Pour être honnête avec vous, faut vraiment que la boutique, elle soit excellente dans ses carrés. Et on va être honnête, en général, les petites boutiques comme ça, c'est pas le top du top, hein. Alors, allez, je prends des couleurs au hasard, juste pour voir un petit peu le conditionnement. Ah bah, j'ai la couleur de l'œil, je crois, là. Bah oui, c'est obligé. La couleur de l'œil, 21. Regardez. Beau bleu turquoise, là. Bah, puis en plus, la luminosité ne rend pas justice à la couleur. Et franchement, alors j'en ai aussi à mettre dans les pétales, mais j'ai pas grand-chose à mettre et j'ai carrément ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, donc des sachets avec le numéro du symbole dessus. Et après, on va rester dans les mêmes tons. Hein. Voilà, hein, du brun, un peu de rouge, du noir, du gris, du vert. Voilà un peu les couleurs. Pas très joyeux, vous me direz, mais elle est tellement belle. Ouais, elle est vraiment très jolie. Mais si je mets tout devant, vous allez rien voir, bien sûr. Pas très malin. Donc voilà, bon, on va se rassurer, il y a un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc, voilà les couleurs sable. Un peu, voilà, marron. Encore un petit peu de blanc là-bas. Mais bon, non, elle est vraiment très jolie. Et la taille, franchement, pareil, si elle avait été en 30-40, j'aurais pas pris. Donc là, 40 par 70. Bord inclus, j'imagine. Tac, l'image en elle-même, elle fait. C'est ça, 35 sur 64,5. Bord inclus, mais c'est largement suffisant. Voilà. Et cette toile sur Paint Somewhere, elle était au prix de 11,99 $. Voilà. Donc vraiment très jolie. Et je vous entends hein, derrière votre écran. Mais elle est folle! Surtout une, hein, si tu passes par là, Miss Licorne. Voilà, je t'ai entendu. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. En tout cas, merci à la boutique Paint Somewhere de m'avoir proposé cette collaboration. J'en suis ravie et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!